Ok, je crois que le ton est donné. On recule un peu. Ah! Ok. Voilà, c'est bon. Allez hop, à dégager. Bon, ça aura duré quand même, hein. C'est putain, on dirait j'ai oublié son nom. Mais on dirait lui. Merci. Voilà. おい。あんたか。ひな。明後日の昼ここに来な。どういうことだ。来れば分かる。 Hey, salut tout le monde, c'est Ryosuke, je vous souhaite la bienvenue pour ce 32e épisode de notre aventure commentée sur Shenmue 2, j'espère que vous allez bien. On se retrouve encore une fois pile à l'endroit où on s'était laissé la dernière fois, on venait juste de sortir de ce bâtiment, si je vous dis pas de bêtises, je sais même plus ce qu'on a fait dans l'épisode précédent, mais c'est pas grave, je me rappelle qu'il y a eu beaucoup de combats. Et qu'il faudra attendre, il me reste de l'argent, combat, blablabla. À quelle heure déjà? Aux alentours de midi, si je vous dis pas de bêtises, on doit attendre. On doit voir Scout à l'endroit indiqué sur la carte, d'accord. Demain à midi, ok. Donc bâtiment, étage B2 du bâtiment Thousand White. On a encore un peu de marge. On va en profiter. Mais pas trop, on va faire un petit peu les alentours. Histoire 2. On a quoi sous le coude? Moi je dis ça se laisse tenter. Bonjour. C'est par où? Voilà. Ah oui, 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 je vais essayer. Alors, on prend lequel? Allez, ça suffira. Alors, on va se placer ici, ça me paraît bien. Alors. Ouais, youpi! Hop! En espérant qu'on reste sur le côté, mais j'y crois pas trop. Allez! Et voilà, ça sent. Oh! Le R360, c'est pas. Non, non, c'est bon, merci, c'est sympa.
Ça serait pas ce qu'on a déjà récupéré dans la petite boîte? Vous rappelez ces petites boîtes que je connaissais pas, que j'ai découvert On va jeter un œil à tout ça. On y est. Alors. Ouais, bon, lui, on l'a 5 fois. Ok, tout va bien. Voilà, c'est bien ça. Non, ouais. Ouais. Bon, c'est pas bien grave. Et sinon, on a eu lui. Allez, on se tire de là. Allons chercher d'autres petits jeux fort sympathiques. Hop là, petite esquive du bâtiment. Ce côté-là, on a... Oui, je sais, Rio, je sais. On a notre copain qu'on peut attraper. Là-bas, on a le café, donc là-bas, on a aussi le café. Oh, mais j'y pense. On n'a jamais sorti une boisson dans ce Shenmue-là. Hmm? Ou peut-être une fois, je sais plus. Alors, qu'est-ce qu'on va boire? En dessous, on a quoi? D'accord. Allez. Alors, est-ce qu'il nous fait la même tête que dans le premier Shenmue? Avec les yeux fermés, enfin les yeux fermés, un œil fermé sur deux. Non. On n'y a pas droit, c'est dommage. On aurait pu rigoler 2 secondes et demie. Ah, mais je préférais quand il buvait dans le premier. C'était des bruits un peu plus. Comment dire? Plus normaux, quoi. C'est vraiment fermé ici. Ok. Je peux passer, s'il vous plaît? Merci. Ah, mais il n'y avait pas des trucs là? Des petits jeux sympas dans le coin là? Oui, voilà. Non, parce que autant les premiers c'était fort sympathique, tout ça. Déjà, j'aime pas du tout comme tu les appelles. Ouais. Ouais. Non, je veux celui-là, moi. Ça paraît bien compliqué quand même. Allez, on y croit. Oh les cœurs. Oh, la billet bleue. Hop là! Alors, est-ce qu'on peut le faire? Est-ce que ça va marcher? Ou est-ce que je vais carrément perdre 50$? Ce qui est parti pour, j'ai l'impression. Ouais. Allez, je retente. Sur le même. La chance n'était pas trop de mon côté. Mais ce coup-ci, je pense que ça peut le faire. Est-ce que je laisse de là? Parce qu'a priori, si je la fais chuter, vu l'angle que ça prend, je devrais taper légèrement sur le côté gauche des clous qui sont juste en dessous et donc me décaler là-bas. Seulement, est-ce qu'après ça va suivre? Oh, et puis allez, soyons fous. Voilà, c'est bien ce que je pensais. Mais voilà, et du coup ça ne suit pas du tout. Et on part de l'autre côté, du côté où il y a le plus de croix. Donc du côté où je vais perdre 50$. Et c'était pas loin, c'était bien tenté. Ouais. Jamais 203 ou la troisième c'est la bonne? Allez, soyons fous. Bon, vous allez me dire, c'était sensiblement la même chose. Bon, alors, j'ai envie de jambon cru. Allez savoir pourquoi. Bon, sûrement parce que j'ai faim. Ouais, c'était sensiblement ce que j'ai fait la première fois.
J'ai bien dit sensiblement, parce que je suis plus du tout du même côté. Allez, oh les cœurs! Game over! Ouais, c'est bien parce que c'est marrant. Allez, le petit dernier, toujours sur le même. Après ça, on s'arrache de là. Ah, cette chance légendaire! Ouais, je pars carrément de l'autre côté, à l'autre bout, complètement collé, complètement au pif, de toute façon on s'en fiche. Je sais pertinemment que ça va tomber du côté des croix blanches. Un peu plus, un peu moins, je suis plus à ça près. Voilà, et pile la même comme d'habitude. Ah c'est bon, ça ira. Merci. T'es mignon, tu m'as l'air sincère, mais voilà. Ma chance légendaire au jeu dans les jeux. Voilà. Rien que pour ça, je passe par là. Quelle heure il est? 9h30. On a le temps. Et en plus, il est vraiment 9h30 chez moi. C'est pas beau ça? Enfin, il est un peu plus dans le jeu, mais bon, à quelques minutes près. Petite anecdote qui sert absolument à rien, mais on s'en tamponne le carafon. Soyons fous. Alors, non, moi j'aimerais bien, toujours dans le même délire, l'autre en plein milieu là-bas, je sais même plus par où on y va. Ouais, mes bonnes habitudes de passer par la gauche. Merci les PNJ d'être toujours au milieu, ça me fait plaisir. Allez, je passe par là. C'est bien parce que c'est vous. Et parce qu'on a de la marge. Un petit peu. Un tout petit peu. Ah là là, ces petites musiques. Eh n'empêche, on arrive à la fin là, petit à petit. Voilà, c'est là que je voulais aller. On est clairement en mode détente. Alors si je peux me permettre, ta coupe de cheveux ne va pas du tout avec ton personnage. Ah mais c'est Ah ouais. Ah mais faut être ultra château en fait là. Ça tombe bien, je voulais faire celui-là. Ah, c'est juste parce que c'est 20$, hein, c'est tout. J'ai vu les prix des autres là, 100$ et tout, machin, blablabla. J'ai fait, oh ça pique. Par contre, ça me paraît bien compliqué quand même. Hop là. Allez, ma petite vie verte. Oh là là. J'ai vu le moment où j'allais y aller, mais cache pistache. Ok. Ok, je m'attendais pas à ça. Ouais. Vous avez remarqué que j'ai tenté de faire sensiblement la même chose. Ce qui a complètement raté, bien évidemment. Voilà. On va prendre un autre stand. Non, ouais, non, ouais. Ouais. C'est moi ou. Ou c'est hardcore? Un dollar et je récupère 500 fois ma mise si je gagne. Oh, on y va, allez. Soyons fous. Allez.
Ouais, je sais pas trop là. On va le tenter comme ça. Moi je dis ça peut le faire. On part. J'allais dire on partait bien, mais non, mais oui, mais si, ça a l'air bien, mais non, mais oui, mais non, mais oui, mais... Oh! Par contre, je pige pas. Je tombe dedans, on est d'accord. Lancer 3, d'accord. Il faut toucher 3 fois. 3 fois. 3 fois. 3 putains de fois. Et on se rate une fois, c'est mort. Ok. Ben... C'est mort. Si, si, c'est mort, je vous assure. Voilà. Ouais. Non, 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 c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Allez. Non, non, c'est juste impossible. Trois fois au même endroit? Comment je fais pour faire trois fois au même endroit? Bah, je veux bien, mais on va prendre un peu d'avance histoire de quoi. Ce vu l'heure, je me dis, il est peut-être un petit peu temps d'aller trouver le bâtiment, de passer par l'étage, quitte à faire une légère attente. Non mais c'est juste légèrement abusé quoi. Trois fois au même endroit alors qu'il y a juste un endroit où tu peux tomber. Ok. Alors tu le réussis une première fois, ça te motive. Par contre, dès que tu tombes sur une croix, c'est mort. Ouais. Je suis pas convaincu quand même, hein. Bon. Allons-y. Alors, le deuxième sous-sol. Moi je veux bien, mais j'accède comment au sous-sol? Déjà, c'est pas par là. D'ici, je peux pas. Ensuite, là-bas, je change de bâtiment, c'est ça? Non, je monte. C'est des escaliers. Allez, on va en profiter. Hop. On est aux deux. Il va falloir prendre l'étage supérieur encore. Prendre l'ascenseur pour se retrouver au premier sous-sol. Et se débrouiller pour accéder au sous-sol suivant. Je suppose qu'en ressortant de l'ascenseur, on doit pouvoir récupérer des escaliers qui vont nous permettre d'y accéder. Alors le gros avantage, c'est qu'à partir de là, je suis complètement largué. Je me rappelle absolument de rien. Non, 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 demi-tour stratégique. Merci. On est au bon étage? Oui, on est au bon étage. Allez, direction basement 1. Ok. Qu'est-ce qu'il me veut? Trouver un ascenseur ou des escaliers menant? Oui, mais je sais, c'est ce que je suis en train de faire. Donc on va devoir aller au fond. En fait, on a trouvé ultra rapidement, quoi. Cela, du coup, je m'en trouvais complètement au fond. On va sûrement avoir des escaliers, se retrouver pile à l'étage où il faut qu'on soit. Voilà, c'est bien ça. On est un poil trop tôt. Bon, c'est pas bien grave. Je suppose qu'on va nous demander d'attendre. Underground B2.
Ah, Underground, c'est pas pour me rappeler une certaine série. Oh là! Oh là! Oh là! Ça me rappelle pas du tout Resident Evil 2, ça. Ok. On peut pas quand même... Bah. On peut quand même pas l'ouvrir. Bon, on sait que c'est là. Par contre, si tu peux... Voilà, ne pas loquer. Merci, tu es gentil. Je m'en souviens absolument pas de tout ça. C'est impressionnant quand même. Bon, on sait où c'est. On sait que c'est demain. On va en profiter pour continuer de balader. J'étais persuadé que c'était ce jour-là qu'ils avaient sauté un jour. Je vous en avais parlé dans l'épisode précédent d'ailleurs. Enfin bref, c'est pas bien grave. On sait où c'est. On est tranquille. On sait comment y aller. On a déjà tout repéré. C'est plutôt pas mal, moi je dis. Alors, on va sortir de là. Est-ce qu'il n'y aurait pas un truc ou deux à explorer là-dedans? Ouais, soyons fous. Bonjour. J'adore, on rentre comme ça, c'est... C'est comme dans un moulin ce jeu. On fait un peu ce qu'on veut. On peut l'ouvrir le frigo? Non, pas du tout. Non, c'est juste de la déco, quoi. Ah là là. Si seulement on pouvait avoir des versions HD. Là-bas, non, là-bas, non, on pouvait pas y accéder. Hop, bonjour. On avait vu l'étage 12 ici, je crois bien. Hein. Je sais même plus. Allez, on y va, soyons fous. C'est pas comme si on avait que ça à faire. La musique est pas du tout pour me rappeler Silent Hill. Le 2. Plus précisément. Un jeu que j'avais poncé, d'ailleurs. Sur lequel je me suis régalé. A priori, ça monte pas plus haut. Mais ouais, c'est pas. Bon, c'est pas la même ambiance, mais c'est sensiblement la même chose. Pour ceux qui auraient fait Silent Hill 2, ça vous rappelle pas un petit peu l'hôpital? Un petit peu, hein, pas non plus ultra flagrant. Hein. L'ambiance, la musique, ça fait tellement longtemps que j'ai pas joué à ce jeu d'ailleurs. Non, 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 non. Merci. Ah ça c'est bien ça. Ça par contre ce qu'ils ont fait là ça c'est hyper bien. Parce que dans le premier Shenmue j'aurais fait demi-tour comme ça, j'aurais remonté les escaliers. Non pas que ça m'aurait été plus de les remonter mais disons que c'est une légère perte de temps. Perte de temps complètement inutile. Oui c'est un peu le principe de la perte de temps c'est que c'est inutile. C'est pas grave. Alors ça charge entre les deux. La musique est différente. Donc c'est qu'on doit avoir quelque chose d'intéressant. Peut-être pas forcément d'important, mais quelque chose d'intéressant à cet étage. Je vais y retourner. Je comprenais pas ce que c'était le néon avec l'épaule de Rio. Je croyais que c'était une caméra. Allons voir ça. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Oh.
Oh, bonjour. Enchanté. Comment allez-vous? On n'a pas quelque chose à faire? Bonjour. Ok. A priori, ils sont tous en plein. Je peux passer à côté? Merci. C'est tout ce que je voulais, passer à côté. Ça parle beaucoup. Il y a eu une légère latence. C'est moi ou on dirait les bureaux de des docks dans le premier Shenmue? Pourquoi pas après tout, hein? Je n'ai rien contre. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ici? Bon, a priori pas. Allez, on va pas chercher plus longtemps. On va profiter. Hop, bonjour la porte. Voilà. J'ai pas trop fouillé non plus, mais bon. Pour voir 4 karatéka. Je pense qu'on peut s'en passer. Et ah, on a des boutiques. Voilà pourquoi ça fait du blabla. Voilà pourquoi ça a chargé. Voilà pourquoi, pourquoi. A priori, rien d'intéressant de ce côté-là. On va faire les autres. Des fois qu'on arrive à trouver des rouleaux pour des techniques ou quelque chose comme ça. Non, il n'y a rien. Il n'y a rien, il n'y a rien. Bon, allez. On va descendre, on va continuer. Merci Rio. Voilà par les escaliers. Un nouvel écran de chargement. Donc je suppose qu'au troisième étage, on va avoir un écran de chargement aussi. Je peux me tromper. Mais ça se pourrait bien. Vu que d'un coup on va changer, qu'on va repasser du côté de... du quartier marchand, j'ai envie de dire. On se retrouve encore une fois avec cette petite musique douce et délicate. Ah, on peut aller au Ghost Hall à partir de là. Non, 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 non. Merci. Changement? Pas encore. Bon, bah, changement à partir de là. Oh, la petite ouverture, c'est mignon. On voit tout de là, on voit même un... C'était quoi? C'était un néon, c'était des briques. C'était le décor. Là-bas, non? Toi, je t'ai vu de loin. Je prends. Alors, demi-tour stratégique, merci. On va aller regarder ça tout de suite. La grande question maintenant, c'est est-ce qu'on va le trouver? Et surtout, où est-ce qu'on va le trouver? Faut peut-être... C'est où? Voilà, merci. Faut peut-être l'ouvrir d'abord. Voilà. Merci. On n'a pas oublié d'en ouvrir un, on sait jamais. Je pense pas. Même s'il nous en manque quand même quelques-uns. Hein.
Je sais pas. Je sais pas. Alors là, pour celui-là, je vous avoue que... On aurait peut-être pu demander... aux personnes qui étaient juste à côté. Mais il me semble que dans le premier Shenmue, si je vous dis pas de bêtises... On avait demandé une sorte de traduction. Ah, j'ai pas regardé du coup. Non, c'est... Hop là, là. Alors, il va être où? Non. Non. Ça peut peut-être remplacer ça. Non. Mais je suis fou. Mais pourquoi j'ai pas réglé ça avant? Alors ça, c'est pas franchement un coup que j'apprécie. Je préfère de loin un Iron Palm. Même s'il est légèrement moins puissant. On va rester tel quel. Non, non. Le choix entre les deux est vite. Alors ça, très clairement, non. Non, non. Double blow sans hésiter. Mais il est où? Il est où? Je l'ai pas vu. Ah, il est là. Ok, on l'a d'entrée. D'accord. Ok. Ah, je pensais que je devais le switcher. Bah non, très bien. Très très bien. Ouais. Bon, c'est pas surpuissant. C'est rapide à faire. Ça peut se contrer rapidement aussi. Facilement plutôt. Bon, à défaut, ça fera l'affaire. Allez. De toute façon, on n'a pas trop le choix. C'est ça ou pas ça. Bon. Où est-ce qu'on va pouvoir trouver encore d'autres endroits comme ça pour pouvoir apprendre quelques nouvelles petites techniques? J'aimerais bien le savoir. Et ce que j'aimerais savoir aussi, c'est ce fichu rouleau, qu'est-ce que je vais en faire? On dirait pas comme ça, hein, et j'aimerais beaucoup savoir de choses. Enfin, bref. Ce côté-là, c'est quoi? Allez, on va passer de l'autre côté. Je sais même plus où ça va me mener. Voilà, la suite des quartiers comme ça, du côté de stand. Bah, écoutez, on est du côté de stand. Très bien. Et ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va se laisser ici pour cet épisode. On se retrouvera la semaine prochaine pour la suite, parce que suite il y aura bien évidemment. Je sais pas si je continuerai ce que je suis en train de faire là tout de suite maintenant, c'est-à-dire continuer un peu en mode exploration, ou alors simplement continuer l'histoire. Tout dépendra de mon humeur et tout dépendra de ce que vous allez me dire dans les commentaires aussi, puisque si vous voulez qu'on continue l'histoire, on continue l'histoire. Si vous voulez qu'on fasse de l'exploration, eh ben on continuera à faire de l'exploration. Ça me dérange absolument pas, bien au contraire. Vous pourrez même me dire si vous voulez encore une fois tester ma chance légendaire à tous ces jeux auxquels je gagne absolument rien du tout, mais bon, c'est pas bien grave. On était vraiment en mode détente sur cet épisode, c'était plutôt sympa, j'ai bien kiffé, on aura pu visiter un petit peu tout ça, on aura récupéré une nouvelle technique, ce qui est ma foi fort sympathique. Et je cherchais une rime et c'est plutôt bien tombé.
Voilà, bon, allez, trêve de plaisanteries et de blabla inutile. On se quitte pour cet épisode. On se retrouvera, je suppose, pile à cet endroit pour l'épisode précédent. Et sur ce, les coupins, portez-vous bien. À très très bientôt. C'était Ryosuke. Allez, bye bye!